Vous gagnez, vous êtes des paf pour pas écouter ce que je dis. Vous voulez jouer, moi je me bats, moi. Voilà, voilà la caméra. Mais non, non, pourquoi? C'est un petit bout, c'est une belle histoire avec eux. On est dans mon jardin, c'est là où on s'entraîne, c'est là où on joue. Bienvenue Nico, va là-bas, reste en place. Une minute à haute intensité, allez. C'est bon, tu fais pas, genre t'es choqué, c'est bon, on parle, normal. Vas-y, va te changer, c'est bon. Donc entraînement du vendredi, il y a équipe 1, équipe 2. Donc équipe 1 en R1, équipe 2 en Régional 2. Il n'y a qu'un niveau d'écart entre les deux. On va vous montrer un peu mon univers. Allez, une retrouvaille, hein. Vous vous souvenez de lui, hein, Loris. Ça parle tout le temps de toi, hein, les coups francs et toi. Antoine, il va vous en parler, mais 16 ans, R1, et bientôt Ligue 2, on espère. J'ai fait quelques entraînements avec Antoine, c'est pas une partie de plaisir. Hein. C'est très, très, très physique, très difficile. Vous allez voir, rendez-vous dans 20 minutes. Le match de la 2 contre Annecy, très, très, très gros match. D'accord, on peut passer 3e éventuellement. Je me tiens à carreau là, vous avez pas l'habitude de me voir comme ça. Hein. D'habitude, je suis comme ça, là, je parie. Là, je suis comme ça. Et j'insiste beaucoup sur l'attitude ici. Le contrôle semelle, t'es pas obligé d'aller aussi loin. On a beaucoup de double licence, de joueurs à 11, en 2. Beaucoup de joueurs qui débutent le futsal aussi. C'est leur première année. C'est d'inculquer vraiment cette culture futsal, tu vois. Que ce soit dans les mouvements, dans les prises de balles, dans les appels contre appels. Le principe, on va faire 3 blocs de 3 minutes. Le premier bloc, c'est une possession classique. Sur un exercice comme ça, c'est la prise d'info. Je suis vraiment pointueux sur les prises de balles. D'accord, je vais des prises de balles semelles et je vais des passes propres dans les pieds. Plus dur que les tests VM1. Vous étiez un de plus en supériorité et vous êtes fait tourner. Ça veut dire que j'attends beaucoup plus de vous. Deuxième variante, il faut faire une passe à son collègue entre les plots. Ça marque un point ici. Ouais, il est marqué là. Tu mets un point, va chercher un deuxième point. Vous donnez un ballon, rendez le frappe s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Allez, en termes d'intensité, c'est bien. On enchaîne sur le troisième bloc qui reste statique. J'enlève un point. Ok, bien joué. Ok, oui. Moins un pour Andrea, t'as pas fait une course. Ok, bien joué. Ok, bien joué. Ok, bien joué. T'as 2-3 skills de Saïd. Ouais, bien joué! Si vous touchez les 3 appuis dans une possession, vous validez le point. Je sais pas, c'est dur. Hein. Ce jeune, c'est pas facile. T'en penses quoi les entraînements de ton coach un peu? Bah, moi là-bas, j'étais avec l'équipe 3. Là, ça fait 2-3 mois que je suis monté avec eux. Bien, c'est pour ma première année, il m'apprend beaucoup de choses. Prouvez les 2 appuis. Et après, on peut aller à la frappe. Vous êtes libre. Violette, on va aller chercher. Demain, on va aller chercher. Allez, 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 allez. Reste, reste, reste. Viens là, viens là, avance. Bien joué. Si tu me dis que ça va vite, c'est que ça joue bien. Le match à Annecy à l'aller, ils étaient dans une maxi période, ils gagnaient tout. On est venu, on a fait une petite surprise. Donc là, je pense vraiment ils vont revenir revanchards, tu vois. Mais voilà, on a réussi à tenir et c'était une belle victoire à l'extérieur. Franchement, parce que c'est pas facile d'aller gagner là-bas. Trouver l'appui en match, ça sera pareil. Trouver le pivot, si on peut trouver Thibaut ou un autre. À haute intensité, allez.
T'es gazé ou pas là? C'est trop physique. Dans le cœur, dans la tête, dans les appuis, genoux, chevilles. Grosse qualité du futsal. On touche beaucoup le ballon, beaucoup, beaucoup. On touche tout le temps. Pied gauche, pied droit, t'as pas le temps en fait de te mettre sur ton bon pied, tu vois. C'est une équipe de U16 R1 du coup. Et en fait, tous leurs joueurs sur le terrain, ils avaient double licence. Ils avaient licence foot à 11 et futsal. En fait, ils sont montés en masse comme ça. Karim Benzema, une gorgée d'eau, une date. Vous allez voir comment je vais me transformer. On va faire un exercice de supériorité transition rapide, d'accord? Vas-y, voilà. Fais-toi un contre 1. 2 contre 1. 3 contre 2. 3 contre 2. 3 contre 2. Oh là là! Oh les gars, y'a rien de compliqué. Oh, on le fait à l'échauffement, au match. 1 contre 0, 2 contre 1, 3 contre 2. Il y en a, leurs deux fils, ils sont touchés quand j'ai donné la consigne. Défend, allez. Ouais, on scène. Bien joué, Saïd. Allez, top! T'as vu la fin de corps ou pas? Ah, franchement. Je sens ballon. Après, je manque de lucidité. Tiens, Dieu lève, vous commencez s'il vous plaît. Et bon, on va chercher où tout de suite, hein. Tout de suite. Deux, Nico! Viens, hop de passe. C'est bon, t'es sorti. Vas-y, avance, passeur, avance! Bien joué! Vamos! Demain, je ne vais pas attendre 15 minutes avant de voir ça. Ça, je veux le voir tout de suite. Là. Voilà. Putain, j'ai une vision malade mentale. Allez, on avance. Avance, Flo, avance. Va là-bas. Reste en place. On prenne le lundi et le vendredi, donc il faut s'adapter. On est un peu obligé des fois de taper sur des séances, mais bon, on n'a pas le choix et que les gars ils savent qu'il faut s'arracher, on n'a pas d'autres moyens, donc on s'adapte et on travaille. Après, c'est au tirage, tu vois. Tu peux tomber sur n'importe quelle région. Tu gagnes un match, tu passes au deuxième. Tu perds le premier match, tu vas même pas au deuxième, c'est terminé. On met la même intensité demain. On va souvent presser, on a un jeu agressif, on joue haut, donc forcément, ça met de l'intensité, tu vois. Non, ça va. C'est le petit prince de Grigny, 19 ans. Il n'a jamais fait de futsal, il est 8e buteur de R1. Il était en 2, il a bien travaillé, travail sérieux. Et là, bah, ça paye, hein, il est monté en 1. Donc là, ça fait plaisir de revoir Loris. Loris, qui on le rappelle, est en 2006, 16 ans. Mmh. Il va sur C17, il joue en R1 futsal, il va jouer le barrage pour la Ligue 2. Il y a Soulé aussi. Ouais, Soulé qui a passé 80% de la saison avec moi. Et c'est les deux joueurs les plus jeunes de la poule, tu m'as dit, ouais. Nico, viens. Nico. On va parler un peu de lui parce qu'il est dans l'ombre. Première année U17. Première année en U17. On l'avait vu, il y avait le Covid. C'est mon capitaine en 2, il a 18 ans. Convoqué en équipe de France futsal, ouais. Ouais. Faut le mettre en avant un peu, c'est bien. Et c'est un vrai travailleur. Il y a peut-être des autres noms là qui vont s'ajouter sur la liste. Ouais, il y a peut-être des autres noms. Il y a Charles, Lucas. Qui vient s'entraîner en ce moment en R2, qui fait des bons entraînements. C'est R2 et R1 senior. Du senior, c'est vraiment costaud. Donc là, on va faire un premier épisode avec Antoine. Si ça vous plaît, si ça marche bien, pourquoi pas en faire plusieurs sur la fin de saison et sur l'année prochaine. Moi, cette année, j'avais pas beaucoup eu le temps de venir aux entraînements. Donc là, je fais quelques entraînements avec la R2. Et je vais faire mon troisième match avec la D2. C'était deux matchs très importants avant. Là, le troisième, il est encore plus important. Donc je vous dis à demain. But. Ah, on a marqué là. On a marqué, c'est nous gros. Là je suis sur de l'orga, je suis sur plein de choses là, plein de choses. Qu'est-ce qu'il dit? Le capi. Bien. Flo, tu connais? Nixon, tu connais? Attends. So, il est venu en milieu de saison, il est venu nous aider. Vous allez voir, et moi, Judson. Antoine, il arrive, t'inquiète. Présentez dans la région, Gabin.
Merci. Antoine. Regarde comment il y en a aucun qui a survécu. Soulé. Je l'ai, mais il a lavé. Moi, ils me connaissent déjà. Survécu du club, quand même. Aujourd'hui, on joue futsal Annecy. On a 3.2. Sachant que si on gagne, on a gagné à l'aller, donc goal average particulier, on passe devant eux. Clermont est à 22 points, ils sont exempts ce week-end. Donc ça veut dire qu'on revient à 1 point du 3ème. 79 buts encaissés. C'est énorme. Même nous, on n'en a pas pris autant. Par contre, ils en mettent 99. Ils mettent minimum 6-7 buts par match. Et ils en prennent minimum 5. Donc ça attaque bien. Ça prend des risques. Mais ça prend des piliers aussi. Ils ont perdu 2 fois contre le premier, 7-6 à l'aller. Et la semaine dernière, 7-6 au retour chez eux. Contre Forez, nous, on a pris une pilule chez eux. Faites très, 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 très attention parce qu'ils vont venir ici pour gagner. Donc ça, très important. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils ont un meneur capitaine, vous verrez. C'est un joueur, le ballon, c'est pas un problème pour lui. C'est un vrai joueur de futsal. C'est lui qui met le tempo du match. Transition rapide. Ils sont très forts. Donc je pense que gestion des émotions et la gestion du match, ils pêchent là-dedans. Mais vraiment. C'est fin techniquement, c'est dynamique, mais ça joue à l'instinct. Ça, on se le dit droit dans les yeux tout le monde, celui qui n'est pas capable de faire ça et ça. Vous venez, attitude sur vos appuis, comme ça. J'ai confiance aux 8 qui sont ici. D'accord? Il y en a un qui ne respecte pas ça, il vient sur le banc. J'ai pas le temps. Vous avez une langue, utilisez-la. En match, on manque de com. Tu veux demander un ballon? Ouais, ouais. À défaut de pas te voir, il va t'entendre. C'est des attitudes, c'est des choses à avoir. Ok? C'est important. J'insiste sur ça, de la com. C'est pour ça que je vous ai dit, s'il vous plaît, merci avec un smiley. C'est bien, on est sur une bonne dynamique, restez sur les attitudes, comment vous jouez, vos prises de balles, tout. Thibaut, il est en train de prendre vraiment le pli en pivot, il est en train de passer un vrai cap. Soyez intelligent, d'accord? Ne pas surjouer sur lui non plus. Transition rapide, tu vois. Les transitions rapides, c'était nickel. Donc continuez, gardez tous ces ingrédients-là. Il faut les garder pour un temps de match, ok? Concentration, sérieux, impliqué. On a ce premier étage, il va passer. Maîtrise technique, confiance en soi, d'accord? Et aux autres, très important. Gestion du match, gestion des émotions. Envie et la dalle, tout ça, ça nous mènera à la victoire. Si tu vois qu'il y en a un qui est gazé, tu me le dis. Que des fois, dans le feu de l'action, machin, je vais peut-être oublier, moi. Et je te mets s'ils sont à plus 1 ou moins 1. Au moins, tu vois celui qui est sur le terrain, bah, quand il est sur le terrain, il y a plus 3. Voilà, ça c'est super bien, ça c'est super bien. Allez, blanc, allez, 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 allez! Gardez le terrain, gardez, Gabin avance, Soumet avance! Bien joué, c'est bien les blancs, c'est bien encore! Avance, avance, tu peux avance! Récupère, récupère, ça pousse, ça pousse! Bien joué, Nico! Allez, Loulou, allez, reviens! Bien joué, c'est bien les blancs, allez! Vous avez vu, transition rapide, c'est ça qui va être. Ils vous attendent bas et ils vont jouer en transition rapide. Attention. Reviens, 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 reviens. Bien joué. Ouais, Loulou, c'est bien, va. Bien joué. Bien joué, Gabin. Vas-y, mets le col, mets le col. Va, garde, garde. Garde la vitesse, garde. Oh, monsieur l'arbitre. Bien les blancs, c'est bien, c'est bien. Va, Soumet, va, va. Bien joué. Allez, Andrea, s'il te plaît, allez. Allez. Bien joué, Gamin. Gabin, Gabin, debout, Gabin, debout. Andrea, prochaine. Bien joué, Jules. Bien joué, j'ai rien joué. Je pensais pas qu'ils allaient faire un bloc bas comme ça, en fait, tu vois. Je pensais pas qu'ils allaient faire ouais, ça en fait, bah, tu vois. Moi j'ai vu ça, après le bloc bas, ouais. Ça t'avantage. Ouais, moi ça m'avantage moi. Avance, avance. Bien joué, bien joué. C'est bien les blancs, c'est bien encore. Ça va passer, avancez, allez, allez, allez. Tu
Thibaut, appuie-toi pivot quand tu vas rentrer. Bien joué, Thomas. Bien joué. Bien joué, Jules. Bien joué. Bien, gamin, bien, super, bien joué. Excellent, Nico. Bien joué. Allez, Loulou, s'il te plaît. Bien joué, Jules, bien joué. Bien joué, Nico. Ça va, Thibaut. Ouais, Thibaut, ouais. T'inquiète. C'est bon, passe à autre chose. C'est pas grave, passe à autre chose. Bien joué, va. Oh, trop content. Allez. Putain, allez. Oh, oh. Oh, les blancs. Oh. Venez. Là, c'est un temps mort, on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je veux, d'accord? Ils sont en bloc bas. On va chercher dans les angles, en 2-2. D'accord? On va chercher, on étire. Ok? Ça va les mettre en difficulté. On les étire. Si on se met en 3-1, si vous décidez de jouer en 3-1, déjà, il faut plus de rythme. D'accord? Plus de rythme et chercher Thibaut. Chercher Thibaut pivot. Chercher Thibaut pivot. On se remet dans les attitudes du début du match. Les gars, okay, vous allez c'est bien. Vous êtes en 2-2, vous faites des passes latérales. Vous faites des c'est un plomb de Dieu. Vous, devez aller chercher le plomb. Après, vous allez prendre une position. Lucie, allez! Ça va, Jules, avance. Ouais, Nico! Thibaut, à son tour. Sans faute. Avance, sans faute. Allez, Jules. À la frappe. On la joue en une touche de balle. Ouais, on est trop de temps. Sors. Parallèle là-bas, voilà, bien joué. Bien joué, Jabin, bien rattrapé. Solution. Ça, c'est une faute très intelligente, ça. Très, très, très intelligente, la faute. Le mur, il l'a pas placé. Il n'y a pas un coup de sifflet. Plus vite. Allez. Bien joué. Va. Allez, mon Thibaut, allez. Va, expose. Allez, il y a pas. Lâche, libère. Allô, au lieu de l'échapper eux, échappez-moi. Vous gagnez, vous êtes des paf pour pas écouter ce que je dis. Vous voulez jouer, moi je me barre, moi. On dirait que vous gagnez 4-0. Le capitaine, il fait ce qu'il veut. Sur une passe, il trouve un intervalle. Tout part de lui. Si vous le serrez en mode les mains dans les poches, il vous fait le fion. C'est marqué meneur. Je vous ai dit des jeunes joueurs explosifs sur les premiers appuis. C'est la vérité. Sur leur premier contrôle orienté, ils créent des décalages. Il n'y a rien de compliqué. Et c'est eux qui font un bloc bas chez nous. Alors qu'ils sont censés être deuxième du championnat. Ça part déjà pour déstabiliser un bloc bas. Il faut mettre du rythme. Si on fait tout à deux à l'heure, leur bloc il a le temps de coulisser. En régional, c'est temps arrêté. Le temps il tourne. Vous faites des passes, le ballon ne sort pas. Eux, ça les arrange. Quand je vous ai dit d'attraper le pivot, toi tu te fais bouger. Mais après, c'est à toi de prendre tes responsabilités. À l'entraînement, il n'y a personne qui te bouge. C'est à toi de relever, là. Là, le mec, je veux pas qu'il bouge, moi. J'ai pas envie qu'il bouge. Tu dois être une solution de malade. T'as fait des gifs, il y a des moments où tu crées des décalages. Tu rentres sur ton pied gauche. Mais pète-moi la cage. Mais t'es une pointe. Saoulé, tout à l'heure, t'as fait tes 2 contre 1. Je veux bien que tu la décales. C'est bien, t'es altruiste. Mais t'es en récup de balle. T'es en récup haute de balle, t'es face à la cage. Mais pointe-le. Pointez le gardien. Flo, il a mis une grande frappe.
de malade, c'est rentré. Pointez-le. On nous met dans un faux rythme. Et nous, les faux rythmes, c'est pas pour nous. On n'est pas bon. On a besoin de rythme. À partir du moment où lui reçoit le ballon, il faut pas qu'il plane. Hein. Lui, c'est une ou deux touches max. C'est pas je reçois le ballon et je prends l'info. Hein. C'est l'info, elle est déjà prise. Et quand un décalage, il est fait, la prise de balle, il faut que la décision, l'instinct, il faut qu'il arrive tout de suite. Vous avez récupéré 4 ballons dans le camp adverse. C'est inadmissible. 13. Et chez nous, 6. C'est un peu mieux. Mais récupérer balle sur un pressing à 4, c'est atroce. Et merci à Nico, je sais pas où ce qu'il est, parce que sans lui, il n'y a pas un 1, soyons francs. Vous êtes sur un rythme tranquille. Et eux, ils sont dans un fauteuil pour les défendre. Bien joué! C'est bien Loulou, c'est bien! Bien joué Nico! Allez, allez, explose! Ouais Nico! Garde pas ici, bien joué! Le gamin, il t'a marqué trois fois, tu l'as laissé au pâquerette. C'est à toi d'analyser. Si tu vois que c'est un gamin, tu peux même te retourner à la marquer. Thibaut, assiste. Quand vous êtes sur le terrain, cherchez Thibaut. Surtout quand il y a des profils gamins sur lui. Ok ? Regarde, tu vas pas lui prendre le ballon. Tu vois. Ouais, c'est bien, faut reculer, c'est bien. Encore, va. Vas-y. C'est bien les blancs, c'est bien. Vas-y. Nico. Super Nico, bien joué. Passe autre chose, c'est pas grave, passe autre chose. Gérez vos émotions, ok? Y'a rien qui est fait, y'a plus deux, y'a rien. Bien joué Nico! Bien joué Nico! Oh, le nombre de parts qu'il fait Nico! Très bien défendu. Là il va sur le joueur, t'es mort. Bien joué, Jude, super, bien joué, c'est bien les petits loups. Gestion bien joué, tranquille. Donne les sorts, viens. Allez, blanc. Donc je pense que gestion des émotions et la gestion du match, ils pêchent là-dedans. On y va, on avance, toujours en avançant, allez! Loulou, elle est pour toi Loulou, c'est bien. C'est bien. Allez soumets, allez, fais-toi plaisir mon petit, allez. Soumets, coupe, voilà. Excuse-toi. Joué Nico. Excellent Nico. Les blancs, jouez plus haut, la consigne, allez!
Bien joué, viens Flo, viens Flo. Allez mon loulou, allez hein, allez. Juton, crochet, Juton. Juton, crochet, soulevé. Bien joué Nico. Bien joué Nico. J'ai pas envie qu'il bouge, tu dois être une solution malade. Ouais, la deuxième mi-temps, elle est parfaite. Il n'y a même pas un défaut. Il n'y a même pas un défaut. Thibaut encore, ça va arriver. Ça arrive Thibaut, ça arrive. Allez mon loulou, allez mon loulou, allez. Bien joué Loulou. Va te placer, va te placer. Hop. Il prend zéro but en deuxième. Il fait un match de malade. Oh non, mais je vais jouer comme ça toute la saison. On serait dans le top 2. Bien joué, gamin, excellent. Bien, Blanc. Récupère, récupère, foulé. Bien joué encore, encore, mon gamin, allez. Bien joué. Celui-là, il est exceptionnel. Ouais. Allez, serrez les mains, les gars. Enfin, beau coaching d'Antoine, hein. Je suis content pour lui. On est à 1-1. Hey, faut filmer lui, t'as vu. T'as marqué? Non. Ah, bah, filme lui, là. On a répété ce qu'on a fait hier, ça a plutôt bien marché. Ouais, c'est tout. Allez, bonne soirée. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Même moi, je savais pas. Ça fait 1-1 première mi-temps, 8-0 deuxième mi-temps. C'est un très beau score, c'est un très beau résultat. Et là, on prend une option au goal à virage particulier. On a montré qu'on était là aujourd'hui pour le premier match de play-off. Là, franchement, il y a eu la manière, il y a eu du caractère, il y a tout eu. Je tiens à souligner qu'on n'a pas pris de but dans le jeu. On gagne la deuxième mi-temps 8-0. Très grosse presta de tout le monde, franchement, je suis fier de tout le monde. Je pense que si on continue comme ça, on continue à bosser, on continue à faire ce genre de prestations, je pense qu'on peut accrocher une troisième place. Donc ça va être une sacrée fin de saison, il va falloir s'accrocher. Voilà, vous êtes venus dans mon monde un peu, voir un peu comment ça se passe le futsal en Régional 2. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu du match, de l'épisode, etc. Donc mettez en commentaire si vous avez bien aimé et si vous voulez revoir un deuxième, pourquoi pas voir plus. En tout cas, merci et puis à bientôt. Abonnez-vous, cliquez. Ouais, on est de retour. On aura qu'un entraînement dans les pattes pour les matchs de ce week-end. Très bien, bien joué, 2 points. Donc c'est un petit peu une mauvaise nouvelle, on a beaucoup d'absents. Charles, tu peux venir s'il te plaît ?